Hey vous, j'espère que vous allez bien. Moi oui, ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo prank. C'est un prank que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne. Donc je ne sais pas du tout quelle va être la réaction d'Alexandre. Franchement j'ai trop peur. J'espère qu'il va y croire. Vraiment je croise les doigts, j'espère qu'il va y croire. Parce que comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais lui faire croire que j'ai refait mes seins. J'ai peur qu'il me crame, que c'est fake. Je vais tout faire pour qu'il me croit. Voilà, que j'ai refait mes seins, du moins qu'il me croit au moins quelques minutes, voilà, parce que sinon le prank bah il va être nul. Au passage j'ai une nouvelle caméra donc je filme avec, alors dites moi dans les commentaires si vous aimez bien cette nouvelle caméra. Alors du coup j'ai pris des trucs en silicone, donc je sais pas si vous connaissez, c'est tout simplement des faux seins que tu portes en mode t-shirt, genre il y a des bretelles et c'est tout simplement tout en silicone. Et c'est super bien fait, vraiment. Mais après, il faut mettre des vêtements par-dessus parce que sinon, ça se voit que c'est vraiment faux. Du coup, je ne vais pas pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble parce que j'ai pas envie de me faire strike par YouTube. Voilà. C'est matière comme ça, en fait. Vous voyez? Donc, c'est vraiment silicone, couleur peau. Donc là, actuellement, Alexandre est au travail, donc il va pas tarder à rentrer. Voilà. Donc, pour l'instant, je suis totalement seule. Et en fait, là, ça fait 2 jours que j'ai passé la nuit chez ma mère. Donc, pour que ce soit crédible, parce que logiquement, une opération pour se faire refaire la poitrine, logiquement, ça dure 2 jours, je crois. Et j'ai trouvé comme prétexte que ma mère avait tout simplement très très mal au dos et que bah, j'ai dû passer 2 nuits chez elle pour l'aider à préparer à manger, etc. Et il m'a cru totalement parce que c'est pas la première fois que ma mère a des problèmes de dos. Du coup, voilà, c'est pas secret. Je vais lui dire que je n'étais pas chez ma mère, voilà, que c'était du mytho. Je vais lui dire que j'étais au truc de chirurgie, donc l'hôpital, voilà, tout simplement, et que j'ai fait refaire mes seins, voilà. En gros, le petit truc que j'ai monté de toutes pièces. Voilà, donc je ne sais pas comment il va prendre, hein, on va voir. Donc voilà, là je l'ai mis et franchement j'ai galéré. Sachez que c'est vraiment super super compliqué à enfiler comme truc. Parce qu'en fait c'est en silicone comme je le disais et ça colle à mort à la peau. Donc ça fait super mal, ça arrache vraiment la peau. Du coup je vais enfiler mon pull. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez que ça fait un minimum réaliste ou si est-ce que vous trouvez que ça fait fake? Donc là les gars, je suis dans le salon et je vais du coup planquer la caméra avant qu'il arrive parce que là il va pas tarder à arriver d'ici quelques minutes. Donc là du coup c'est posé sur l'arbre à chat et du coup je vais mettre mon écharpe juste au-dessus. Tac. C'est nickel. Non putain, Pinky. Par contre tu fais pas tomber la caméra Pinky, sérieux. Parce que là sinon c'est nul. Non mais je suis sérieuse, tu casses pas la caméra. J'espère qu'elle va pas faire bouger la caméra et tout. Donc si pendant la vidéo la caméra elle bouge, c'est normal, c'est les chats. J'ai trop peur les gars, j'ai juste trop trop peur de sa réaction, putain. Je vais mettre la couverture. A few moments later. Oh c'est Jay. T'as vu la neige qu'il y a dedans? Non. T'as froid ou quoi? Ouais, j'ai froid. Du coup, ta mère, ça a vu? Ouais. Elle avait quoi au final? Bah, elle était bloquée du dos, comme je t'avais dit. Ah, mais Julia, elle n'a pas été chez le médecin? Non. Bah, non, c'est passé. Tout seul? Hum? Ouais, bon. Donc quoi? Quelque chose à dire ou quoi? Promets, tu t'énerves pas. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait comme connerie? J'ai rien fait, c'est pas une connerie. J'ai rien fait. Qu'est-ce que t'as fait? C'est pas une connerie, mais genre. T'as perdu tes clés? Non. Je sais pas, moi, tu me dis que tu n'énerves pas. Mais on s'en fout. T'as conduit ma voiture? Bah non. N'importe quoi. Bon, tu t'énerves pas, mais. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'as cassé un verre, qu'est-ce que t'as fait? Non, j'ai rien cassé. C'est bon, calme-toi. J'ai rien cassé. Ok, déjà, il n'y a pas de casse. Par contre, t'es en train de me casser les couilles, donc rien cassé. Bon, alors, qu'est-ce que t'as fait? Ta blague de merde, là. En fait, j'ai pas été chez ma mère. Merde. Comment ça, t'as pas été chez ta mère? J'ai payé un truc. Ça faisait un moment que je voulais. Je t'en ai déjà parlé vite fait. T'es pas allé à l'NP et demi? Hein?
Toute seule? De quoi? T'as pris Airbnb toute seule? Mais n'importe quoi, j'ai pas parlé d'Airbnb. C'est quoi un truc que tu voulais faire depuis longtemps? Mais pourquoi tu me parles de Airbnb? On s'en fout d'Airbnb. Je sais pas, tu voulais louer un Airbnb, j'en sais rien. Oui, mais pour la Saint-Valentin, pour nous deux. C'est un truc que je voulais depuis longtemps, j'en ai déjà parlé. Bon, ferme les yeux. Ferme les yeux, je te dis. Je suis dans une autre pièce. Non, tu fermes les yeux. Tu restes assis, tu fermes les yeux. Je me retourne. T'as acheté une table de jardin? N'importe quoi, t'es sérieux? Mais j'en sais rien, moi! Mais pourquoi j'achèterais une table de jardin? J'en sais rien, c'est quoi? C'est n'importe quoi. C'est bon, tu veux te retourner? Il se passe pas un jour sans qu'il y ait une surprise. J'en ai ras le cul. C'est quoi? Et qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as ça? Attends, c'est ça que tu me disais que tu voulais depuis longtemps? J'en ai déjà parlé. Oui, enfin... Quoi? T'en as parlé vaguement, tu m'as pas dit, je vais le faire. Mais je t'ai dit qu'un jour, je voulais avoir plus de 5... Oui, t'as dit un jour, pas demain. Bah, t'aimes pas? Bah, je sais pas, on en parle. Ouais, c'est... Puis pourquoi t'as fait ça? Bah, je t'en ai parlé l'autre coup. Mais alors, vas-y. Je t'ai dit, j'aimerais bien et tout, y a plein de filles, elles se refont et tout, j'aime bien. Mais y a plein de filles qui ont des cancers aussi, après. C'est vrai que c'est un risque, hein, je sais, mais... Mais c'est un risque, c'est un risque. Mais regarde, là, c'est mieux, non? En plus, j'aimais bien. Non, je préfère avant. Pourquoi t'as fait ça? Genre, tu préfères avant. Mais t'as vu la taille que c'est, là? T'aimes pas? Bah non. Tu peux faire comme ça, regarde. Franchement, t'es cinglé. Mais ça change, c'est... Regarde. Oui, bah justement, ça change. C'est bien, là, comme ça, non? Tu fais des films de mode ou quoi? Mais non, mais regarde, tac, tac. Tu veux pas, genre. T'as pas refait autre chose en même temps Non, juste ouais. ça coûte déjà cher, hein, c'est bon. T'as payé ça combien? J'en ai eu pour l'opération à peu près 5000. 5000, 6000. J'ai eu une réduction pour en parler sur ma chaîne. Et m'en parler, non? Bah, je voulais te faire la surprise. La surprise, voilà. Waouh. Je sais pas, je croyais que t'allais avoir les cœurs dans les yeux et tout là. Dommage, franchement. Putain. Mais ils ont fait du bon boulot, regarde. Je suis toujours en vie, c'est bon, t'inquiète pas. Mais t'es toujours en vie pour l'instant. Tes parents, ils vont te défoncer. Non. Ils vont aimer, je pense. Ouais, bah oui. Tu sais quoi, j'appelle ton père tout de suite, on va voir s'il va aimer. Oh, t'abuses, je pensais que ça te plaisait, tiens. Regarde. Bah non, j'aime pas, c'est trop gros. Il y a ses doubles maintenant. De profil comme ça, regarde. Oui, bah ça fait ta corpulence. Là, tu fais des programmes en communication, tu parles de ce que tu veux faire, c'est bien. Bah oui, juste je voulais te faire une surprise, tu t'énerves. La surprise, ça. Ah bah, et pense en été avec les bikinis et tout, ce sera trop bien. Tu vas pas aimer? Bah non. Bikini et tout, ah, ça m'étonnerait que tu vas dire non, hein. Surtout quand tu vas voir ce qu'il y a sous le pull, hein. Quand je vais l'enlever le pull, là tu vas avoir un autre discours, hein, mon gars. Un discours? Bah ouais. Pourquoi ils font mitrailleuse, tes bordels? Non, bah non, mais... Le prix que t'as payé, il pourrait. Non, mais tu vas rougir. Je vais rougir, c'est ça. Le cul. Bon, t'as fini, là? Je suis sûr que c'est pour faire tes photos sur mine que t'as fait ça. Non. Cul. C'est pour toi. Je dis que c'est pour toi, c'est vrai. Ah ouais, j'ai eu la surprise, hein, j'ai toujours dit que j'aimais pas. Non, au début je t'en ai parlé, tu m'as dit... Bon, si tu m'avais dit, ça peut être dangereux, mais voilà. Et si tu te sens mieux, voilà. À ce point-là. Quoi, tu trouves que c'est trop gros? Bah oui. Moi j'ai suivi le conseil du médecin, hein. Il m'a dit on peut faire un bonnet... Ton médecin serait pas DSK par hasard? Pourquoi? T'es sérieux? Quoi? Si tu es... Elle est complètement cinglée. Qui? Aïe aïe aïe. Qui est complètement cinglé? Toi? Bah oui, bah ça c'est pas cinglé peut-être. Mais quoi? Hôtel Rome. Mais il faut bien que je te montre mes nouveaux arguments. Oui, les nouveaux arguments, mon cul. Hein. Comme ça, regarde. Je me vois déjà faire les poses Instagram comme ça. Ouais, bah ça fait pas du tout sexy. Hein. Pourquoi? Mais pourquoi?
Bah, du coup, je crois que c'est plus facile maintenant pour coincer les verres. Ok. Ça, je pouvais pas faire avant. Oh. Et c'est quoi l'intérêt? Parce que le verre, quand il est plein... Michel, ils t'ont regardé comment quand t'es revenu avec ça? Bah, ils s'en foutent. Je sais pas, c'est des chats. Ils s'en foutent. Ouais, tiens, touche. Hein. J'ai pas touché ça. Mais tu verras, tu vas adorer. C'est mou, encore meilleure texture, best texture. C'est genre même pour la ASMR, je crois que je vais m'en servir. Vraiment. Avec un décoté jusque là peut-être. Non, je vais mettre un pull et puis je vais faire comme ça sur le micro, genre. Bam. Bye. Quoi? Je m'étire. Je t'ai jamais mis comme ça avant. Bah je m'étire. Je vais me coucher. Mais non! Si, je vais me coucher, c'est bon. Là, regarde, touche au moins. Oui, bah c'est du plastique, quoi. Oh, c'est bon, t'abuses, là, franchement. Fais ce que tu veux. Là, franchement, je suis choquée. Parce que je pensais, en fait, il allait kiffer. Et en fait, pas du tout. Genre, je suis choquée. Bébé, faut pas que tu boudes, tu sais. Pourquoi tu boudes? Parce que c'est débile ce que t'as fait. T'es sûr que t'aimes pas? Vraiment? Franchement, je suis déçue là en vrai. Moi aussi, t'es pas là. Non, mais tu me déçois parce que moi je pensais que t'allais kiffer en fait. Moi, tu me déçois parce que je pensais que t'étais chez ta mère et pas en train de te refaire faire les seins, je sais pas qui là. Mais j'ai pas été chez un mec comme ça, j'ai été dans un vrai cabinet. Bah, du coup, t'as vraiment dormi chez ta mère ou t'as dormi chez. Là-bas, on doit dormir là-bas pour qu'il vérifie que tout se passe bien parce que j'avais des bandages et tout. Là en plus, j'ai encore mal un peu. Ta mère, elle est au courant ou t'as fait ça dans le dos de tout le monde? Non, ma mère, elle est au courant. Ouais, j'ai dit. Mais t'as vu dans les tactés ou pas? Non, j'ai pas encore montré. Je voulais que tu sois le premier, en fait, qui voit. Franchement, tu me déçois. Hein. Non, mais vas-y. Mmh. Non, mais je croyais que t'allais pleurer tout de joie et tout. Genre... Ah, youpi, on va tirer les feux d'artifice. Qu'est-ce que t'as dans les mains? J'ai rien dans les mains. Qu'est-ce que t'as dans les mains? Mais rien. Il y a Maurice, mon téléphone, c'est mon téléphone que j'ai dans les mains. Mon téléphone? Oui, c'est mon téléphone. Non, mais c'est mon téléphone, je te dis. Il a une nouvelle, il est pas noir ton téléphone. Tu sais, c'est que merde encore. Ouais, putain. C'est quoi encore? T'as fait quoi? Espèce de mongol. Putain. T'es con. Tu sais ce que c'est, ça? Oui, bah c'est une... je sais pas, moi, c'est des faux seins, c'est ça? C'est quoi? Ça se met comme un t-shirt ou quoi? Ouais. Toi, c'est bien fait. Du coup, t'étais vraiment chez ta mère, au final? Bah oui. J'étais vraiment chez ma mère. Tu peux lui demander, hein, j'étais pas ailleurs. T'étais vraiment chez ta mère? Bah non. Elle était complice du prank. Sinon, au fait, t'en penses quoi de ma nouvelle caméra? Petite. Très petite. T'as pas mal au dos avec ça? Bah ça... En fait, ça... Ça m'empêche un peu de respirer aussi, un peu. Je te jure. M'enlève-les, mais t'as payé ça combien? 80 balles, je crois. C'est mieux que 5000 déjà. Oui, c'est sûr. Est-ce que tu m'aimes? Oui. Tiens, c'est pratique ça. Mais c'est pas un accoudoir, t'es sérieux là? Ça te fait pas mal? Non. C'est bon. Donc voilà tout le monde, on a à présent terminé cette vidéo. Alors j'espère vraiment que ce petit prank vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Ça me ferait vraiment très 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 plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. C'est super important. Et donc moi sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous. Salut.